Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul action spécial bijoux. Je dis spécial bijoux tout simplement parce que j'ai acheté à 99% des bijoux. Voilà, j'avais envie de refaire mon plein de bijoux. Faut savoir que j'en ai très très peu, que j'en porte très très peu et que le peu que j'avais ont complètement rouillé. Voilà, parce que je les avais abandonnés dans un coin de la salle de bain et ça a rouillé. Du coup j'ai décidé de refaire le plein à action parce que c'est pas cher et j'avais envie de tester la qualité. Et j'ai envie de me dire, au pire, si ça tient pas, ça pas très très grave. Si je suis habillée au même emplacement que la vidéo haul chaussures, c'est normal. Je la filme à la suite parce que je viens juste de rentrer des magasins. Je vous mettrai la vidéo haul chaussures en barre d'informations si ça vous intéresse. Et quelque part dans le petit, si ça vous intéresse aussi. Et on va pouvoir commencer. Déjà, je vais commencer par vous présenter les produits qui sont tout simplement pas des bijoux. Comme ça, on sera débarrassé. J'ai pris comme ça un petit kit de naissance. De 2 à 6 mois, de base je voulais prendre de 0 à 2 mois parce qu'il était trop trop mignon, sauf que je me dis 0 à 2 mois ça grandit quand même très très vite et si c'est pour qu'il porte même pas 3 semaines ça sert à rien, donc j'ai préféré prendre celui-ci, il est très kiki, c'est pour le bébé d'une amie tout simplement, donc voilà, c'est le petit set que je vais trouver, j'ai trouvé ça trop chou, j'ai craqué, il y a un petit pantalon, un petit t-shirt manche longue et un petit bonnet et ça c'est trop trop mignon avec les petites oreilles là sur le bonnet, enfin je fonce, c'est trop trop chou et ça je l'ai payé 4,99€, donc pas grand chose. Si vous voulez faire des petits cadeaux comme ça ou des petits sets, c'est vraiment pas cher à action et la qualité des vêtements est super bonne parce que je connais des personnes qui ont des enfants qui en achètent et c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas grand choix mais c'est pas mal. Toujours pour rester dans le hors bijoux, j'ai pris un savon au fiel de bœuf. Maintenant je l'achète tout le temps parce que j'ai ma chère petite chatte Lia que j'aime de tout mon cœur hein, qui a pris l'habitude de faire pipi sur mon canapé tellement qu'il a fallu qu'on jette une partie de notre canapé et en fait elle est tellement stressée qu'elle fait tout le temps pipi et du coup ce savon me sauve le canapé, ça me sauve l'odeur et ça me sauve les taches et c'est trop bien, par contre c'est trop long à appliquer, je vais pas vous mentir, il me faut une après-midi complète parce qu'il faut que je le savonne, que je le lessive avec de l'eau, que je passe le savon, que je frotte avec le savon, que je laisse poser et après que je le rince. Le plus long c'est vraiment de le rincer parce que étant donné qu'on n'a pas de jet ni rien pour le rincer, on est obligé de le rincer en mettant une chiffonnette microfibre et en aspirant comme ça le savon en l'enlevant. C'est extrêmement long mais ça me sauve mon canapé. Donc si vous avez des problèmes de taches, moi par exemple pour les vêtements ça m'a sauvé des vêtements avec des taches de sauce tomate parce que je sais pas manger debout, parce que je sais pas marcher et ça franchement il est génial, je vous le conseille. 99 centimes, c'est une pépite. Ce truc, c'est un truc de fou. Et pour rester un peu dans le thème du hors bijoux, j'ai tout simplement pris des élastiques parce que je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un lutin à élastiques chez moi. J'achète des packs d'élastiques et ils disparaissent constamment. Alors, je vais pas mentir, ça faisait 3 mois que j'en avais pas acheté, j'étais grave contente. Sauf qu'il m'en reste que 3 et je peux pas tourner continuellement sur 3, surtout qu'il y en a un qui vient de me lâcher ce matin. Du coup j'en ai racheté, j'espère qu'ils vont durer plus de 3 mois. Écoutez, c'est mon défi, essayez de pas les perdre avant 3 mois, ça serait cool. Mais bon bref, voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un lutin qui vous pique vos élastiques parce que moi c'est une catastrophe. Bon, on va du coup pouvoir commencer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire les bijoux. Il y a une marque de bijoux à action, je sais pas si ça met que chez Action mais c'est Trends et j'ai acheté pas mal de trucs parce que vraiment j'ai aucun bijou, c'est un truc de fou. D'ailleurs j'ai acheté pas mal de boucles d'oreilles mais vous pouvez voir que j'ai plus les oreilles percées parce que je vous en parlerai dans une story time, j'ai eu taquet de problèmes, il a fallu que j'attende qu'elles soient refermées pour les refaire percer et je les refais percer le mois prochain. Donc comme j'étais surexcitée de les refaire percer le mois prochain, et eh bien écoutez, j'ai acheté des boucles d'oreilles alors que je n'ai même pas encore les oreilles percées. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Bref, pour une fois qu'il y avait le stock, j'en ai pris et je vais commencer à vous présenter tout ça. Du coup, comme on a parlé des oreilles, on va commencer par les oreilles et j'ai pris un petit set comme ça. Donc la marque Trends, c'est marqué comme ça. Voilà, il y a plein de bijoux comme ça. Et en fait, j'ai pris ce petit lot-là, ça à offrir. C'est absolument trop mignon. Je trouve la boîte archi cute, vraiment. Et en fait, dedans, c'est des multiples petites boucles d'oreilles comme ça. Donc, je l'ai pris ce lot-là parce que je porte plus de doré qu'argenté. Mais il y a quand même des boucles classiques argentées. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on a tout simplement des boucles crème de plusieurs tailles argentées, dorées. Et des petits diamants comme ça, dorés. J'ai préféré les prendre en doré parce que je préfère. Et je crois que la petite boîte était à 3,99€. Et franchement elle est trop trop cute et vraiment je me dis ça à offrir, ça fait son bel petit effet si vous avez je sais pas quelqu'un qui vient juste de se faire percer les oreilles. Moi j'aurais été super contente d'avoir ce petit kit là, il est trop mignon. Et au niveau des attaches par contre j'ai pas
j'ai pas pensé à regarder. C'est des attaches classiques. C'est vraiment genre des attaches comme ça derrière. On ne peut plus classique. Et franchement, je trouve ça tellement mignon. Et c'est vrai que moi, ça, c'est plus mon style. J'aime pas trop, en fait. Je pense que sur moi, j'aimerais pas. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est, vous savez, les grosses créoles et tout. J'aime bien ce qui est un petit peu plus petit, discret comme ça. Ça, j'adore. Et les petits créoles, mais vraiment qui pendent pas beaucoup, genre par ici grand max. J'aime pas vraiment les grosses créoles parce qu'il y avait des packs de grosses créoles, mais je les ai pas prises parce que je savais très bien que je les porterais pas. Pour rester dans les bijoux, j'ai pris deux sets de boucles d'oreilles comme ceci. Donc là, par contre, je vais les ouvrir pour que vous voyez mieux. Donc je vous ai ouvert les petits kits et j'en ai pris deux. J'ai pris un kit argenté et un kit doré. Il y avait plusieurs kits de chaque, mais j'ai vraiment pris mon préféré des kits parce que ça fait quand même déjà beaucoup. Donc j'ai pris ce petit kit là où on a des un peu plus classiques que j'aime beaucoup. Donc des petits diamants carrés, des petits ronds, des petites pines comme ça. Et ici on a ce genre de petites créoles là, mais qui pendent vraiment pas beaucoup, que j'aime beaucoup. Celui-là, il fait très moderne, je trouve. Franchement, on en a des plutôt jolis. Ici, on en a avec des cœurs. Ici, c'est en fait des moitiés de cœurs. Je sais pas si on verra. C'est vraiment très joli. Et là, on a des créoles un petit peu plus classiques. Elles ont l'air vraiment plutôt qualitatives. Je m'attendais pas à autant. Et franchement, elles sont hyper cute. Ça, c'est des choses que je mettrais souvent quand je mets ma bague. Parce que ma bague, en fait, ne me va plus. Et elle me fait mal. Du coup, je la porte en collier. Et c'est vrai que j'ai pas souvent de bijoux pour assortir avec ma bague. Du coup, j'ai pris ce petit kit-là qui est très joli. Et dans le même style, j'ai pris un kit un peu plus doré. Ça, c'est des couleurs que j'aime énormément porter l'été. Et là, on a, par exemple, des petits boutons, des petites perles, des petits ronds classiques. Et là, au niveau des mini créoles, c'est pareil, on a des mini chaînes, des trucs un peu plus classiques. Ici, on a avec des perles. Ça, j'ai peur que ça soit un peu lourd au début, peut-être à voir plus tard. Et on en a ici qui sont quand même, franchement, elles sont plutôt cute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve très très jolies, ces petites paires de boucles d'oreilles là. Ça, c'est vraiment mon style de boucles d'oreilles. Voilà, j'aime beaucoup ce style là. J'ai toujours voulu porter ce style là quand je disais un jour, je vais me faire percer les oreilles. Donc voilà, je pense qu'au niveau, si je me trompe pas, au niveau des boucles d'oreilles, on a terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux bagues, parce que j'ai acheté des bagues, parce qu'il y avait des LXL. Faut savoir que je sais que mon doigt classique ne rentrera jamais dedans, mais c'est que j'avais envie de tester, de mettre des bagues, vous savez, un peu ici, un peu ici. Donc j'ai pris deux kits, pareil, j'ai pris un kit argenté, un kit doré. Pour le kit argenté, il est plutôt cute. On a différentes petites sortes de bagues comme ça, et franchement pas cher du tout. Je sais très bien que jamais je rentrerai un doigt complet dedans, mais je me dis, pour mettre, vous savez, au niveau des phalanges et tout, ça peut être plutôt joli. J'aime vraiment bien, je trouve ça plutôt cutie et tout. Il y a des petites chaînes et tout. Enfin franchement, le petit set comme ça est plutôt pas mal. Et en fait, j'aime bien le fait que ça soit taillé. Bon, après, il n'y a pas de XL, XL, XXL, parce que sinon je les aurais pris. Le LXL, c'est le plus grand, mais franchement, c'est déjà plutôt pas mal parce qu'il y en a très peu qui font déjà des tailles aussi grandes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais au moins pouvoir en mettre sur mes phalanges. Et ensuite, j'ai pris comme ça un kit en doré. Je préfère le kit doré. Il y a des petites doubles bagues comme ça. On a des bagues avec des petites perles comme ça, très jolies. On a encore ici une petite double bague, des bagues un peu plus fines pour le petit doigt au niveau des phalanges. On a même des bagues de pouce. Peut-être qu'éventuellement les bagues de pouce pourraient rentrer. Faudrait que je vérifie une fois déballées. Mais franchement, elles sont plutôt cool. J'aime beaucoup ces kits-là. Et si un jour ils en font un XXL, en XL, XXL, j'en prendrai et je vous tiendrai au courant. Mais elles sont vraiment trop trop cute. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment perturbée dans le magasin, c'est... alors, je sais que c'est peut-être rien, hein, mais moi, genre, les doigts me font peur. Comment ils sont dessinés. Donc, heureusement que je vais pas garder le paquet. Parce que vraiment, les doigts comme ça, ça me fait un peu peur. Mais bon, bref. Voilà, c'est mes avis personnels. Mais franchement, elles sont plutôt pas mal. Donc ensuite on va passer au bracelet, parce que j'ai pris des bracelets. C'est quelque chose que je porte absolument jamais parce que j'en ai pas. Voilà, tout simplement. Et du coup pareil, j'en ai pris en argenté et en doré. J'en ai pris que deux en argenté parce que je sais que je porterai plus facilement des bracelets dorés. Donc j'ai pris mes deux modèles préférés en argenté. J'ai pris un maillon de chaîne comme ça, très 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 classique. Mais ça, j'aime bien, je trouve que ça va un peu avec tout. Et j'ai pris comme ça une double chaîne très fine qui se torsade comme ça. Je trouve ça absolument
absolument magnifique. C'est des médaillons comme ça, torsadés. Je trouve ça trop trop beau. Donc je l'ai pris. J'ai pris exactement les mêmes formats en doré. Donc la chaîne un peu plus classique en doré. Et le torsadage comme ça en maillon doré. C'est absolument magnifique. Et par contre en doré, j'ai pris ce modèle là en plus. Parce que je sais que je porterai plus de doré. C'est tout simplement une double chaîne accrochée. Et elle est trop trop belle. Je suis trop contente. Franchement, je suis refaite niveau bijoux. Et pour terminer, au niveau des bijoux, j'ai pris des sets de colliers. J'aime beaucoup les colliers, vous savez, avec plusieurs rangées. Donc j'en ai pris. Pareil, j'ai pris argenté et j'ai pris doré. Au niveau de l'argenté, j'ai pris un set comme ça. Alors par contre, je ne sais pas au niveau des attaches si c'est 3 colliers différents ou si c'est un collier de 3. Dans tous les cas, ça me va. Voilà. Donc là, j'ai pris celui-là. Je vais peut-être vous les enlever des poches pour que vous voyez mieux quand même. Du coup, comme je vous disais, au niveau des sets argentés, j'en ai pris 2. J'en ai pris un comme ça où on a un maillon fin, un maillon plus épais et un maillon très très fin avec une petite... je sais pas comment on appelle ça, empiècement rond, qui est vraiment très joli. Franchement, il est cutie à mort, j'aime beaucoup trop. Et ensuite j'ai pris celui-ci qui est un peu plus épais, où là on a une chaîne très 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 fine, un espèce de maillon comme ça qui est très beau, mais je saurais pas vous expliquer comment il est, et une chaîne un peu plus classique. Donc en argenté c'est pris ces deux là, et ensuite en doré j'en ai pris 3 que je vous ouvre. Du coup pour les dorés, j'ai commencé par prendre ce set là. On a tout simplement une chaîne fine, une chaîne un peu plus épaisse et toujours le maillon. J'ai l'impression que c'est exactement la même que celle-ci, mais en doré. Et oui, je pense que c'est ça, c'est exactement les mêmes. Elles sont très jolies. Je sais pas si c'est des collections qu'ils ont tout le temps, mais franchement j'étais très contente, le rayon était plein et tout. Donc j'ai fait le plein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez s'ils ont tout le temps, parce que ils sont super beaux ces bijoux là, même si ça reste des bijoux fantasy. On a aussi du coup ce kit là, où on a une espèce de petite barre en bas, un petit rond au milieu et une chaîne un peu plus serrée, donc qui est un peu moins la bouger, elle est plus dure quoi, voilà, je ne saurais pas trop m'expliquer, mais elle est très jolie aussi. Et ensuite on en a un troisième qui est un peu plus classique, celui-là, et celui-là je l'aime beaucoup. C'est 3 mailles très très fines, une très très fine, une un peu plus en forme de rond, très fine aussi, et une chaîne un peu plus classique par la suite. Franchement c'est trop mignon. Je suis super contente d'avoir trouvé tous ces bijoux là, parce que c'est vraiment, je voulais vraiment me faire le plein de bijoux, sauf que j'avais pas envie de commander sur Chine pour des bijoux. Voilà, parce que je commande de temps en temps pour des vêtements, mais c'est vrai que les bijoux, flemme, j'ai envie de voir à quoi ça redonne et tout. Et là j'étais vraiment très contente de trouver tout ça. Et pour finir ce haul, ça viendra pas du magasin Action, mais je vous montre quand même, j'ai trouvé un petit album photo comme ça à Jiffy, où je vais mettre tout simplement les photos de moi et mon chéri, parce qu'on a beaucoup de photos, mais elles traînent en fait dans un tiroir, et je trouve ça juste trop mignon. C'était mon rêve en fait de pouvoir avoir l'album photo de ma propre famille, et du coup ça sera l'album photo de ma famille, donc moi, mon chéri et mon chat, et ça c'est trop trop cool. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les bijoux de Action, voir s'ils tiennent bien, hein, ce que vous en pensez vous, et si c'est aussi des collections permanentes ou si ça change, parce que j'avoue que c'est la première fois que je me suis attardée sur les bijoux chez Action, donc je sais pas trop si c'est tout le temps permanent. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir une notification dès que je sors de nouvelles vidéos, tout simplement. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.